la pièce s'appelle Sentiment provisoire. C'est une pièce de Gérald Aubert dans une mise en scène de Bernard Murat avec Pierre Arvidi que vous voyez ici, Sylvie Testu que vous voyez là et François Dermont qui est un peu. Ça raconte en fait l'histoire, une histoire d'amitié, d'amour entre trois personnes. C'est une triangulaire et en fait il y a une jeune femme qui est en couple avec un homme qui a 50 ans. Et tous les week-ends, ils se retrouvent tous les trois avec le meilleur ami. Et on découvre petit à petit qu'il y a une histoire entre le meilleur ami et cette jeune femme. J'aimerais savoir pourquoi tu quittes un type de 50 ans pour un autre type de 50 ans. Bah, tu vois, c'est la question que je me pose tous les jours. Donc c'est le trio habituel, le mari, la femme, l'amant, doublé du fait que l'amant et le mari sont les plus vieux amis. Là, c'est mon bureau. Ma femme et mon meilleur ami se reposent un peu plus loin dans le jardin. Un oiseau passe. La pièce, en fait, raconte plus la relation entre l'ami et le mari qu'entre l'ami, la femme, le mari, la femme. Voilà. T'as quelqu'un en ce moment? Ça va. Non mais quoi, ça va? T'as quelqu'un ou t'as personne? J'ai quelqu'un, oui. T'es sérieux? Avec moi, c'est toujours sérieux. On peut en parler, je te... Hein? Tu me la présenteras, hein? Tu sais, moi, je suis toujours content quand tu viens ici. Toujours, on s'est toujours tellement bien entendus, tous les deux. On a tellement ri, il y a eu tellement d'histoires, tellement d'aventures, tellement de... Hélène, elle est une comète. C'est une femme jeune, c'est une jeune femme qui a quelque chose d'autre à vivre et qu'elle, bien heureusement, elle va aller vivre après avoir été nourrie de la vie de cet homme qui est nettement plus âgé qu'elle. On va peut-être nous laisser, Félix. Ah ! Ah oui ! C'est avec lui que je pars, Marc. Avec Félix. Ce qui est provisoire, c'est peut-être le sentiment amoureux, mais que l'amitié, elle n'est plus un sentiment, mais un lien. Et ce lien est indéfectible. Je t'aime. Dit comme ça fout les jetons.